qui rencontrait le président Jovenel Moïse. Alors, le point pour ce matin, il y a deux points à faire seul. Et le président Jovenel Moïse met la pression sur Taïwan pour plus d'investissement en Haïti. Une rencontre a eu lieu mercredi dernier en ce sens. Et puis, le président Jovenel Moïse a donc attendu le jeudi 26 septembre 2019 aux Nations Unies, quitte de son agenda, donc dans le cadre de ce voyage. Donc, on a fait deux points ça, fait yon seul. Et puis, entre-temps, nous pouvons regarder, donc là où il y a, que ce soit Port-au-Prince, que ce soit au niveau des villes de province, je dis, un monde s'est levé sur deux pays militaires, c'est mac bloqué pratiquement, selon première information. Est-ce que vous l'avez débloqué? Pas qu'on est, mais moun se m'a campé depuis le matin sous deux pieds militaires. Donc, il y a pile en pile moun qui dépend la rue avec bidon jaune. Nous allons gagner quelques détails tout à l'heure avec les correspondants que nous gagnons sous place. Est-ce que les manifestations dérapées déjà, Cap-Haïtien, nous allons faire contact avec Cap-Haïtien. La police interdit toute manifestation dans le sud pays. Nous allons faire parler avec eux aussi. Et puis, nous allons aller avec le porteur, nous pratiquement donc, dans la rue. Ok. Lolo, Luko, est-ce qu'on connaît que. Lundi, il y a deux bus qui sortent ici pour aller à Marouge. Et à soir, oui, si vous arrivez. Putain, mais ça fait combien de jours là? Même si depuis lundi, il y a bloqué Cabaret, il y a bloqué Semeda. Oui, Akaya, oui, Semeda. Depuis lundi, il dit que il n'y a pas qu'à retourner, il n'y a pas qu'à arriver. Okay. Donc c'est hier, c'est dans le jardin, on monte pour un bagage. Alors, ma parle depuis lundi. Depuis lundi, oui. Parce que Cabaret, Akaya était bloqué. Donc, si vous arrivez là, Akaya, c'est un soir. Oui, oui. Elle dit Akaya était bloqué net. Très bien. En tout cas, on allait rapidement. Ok. Le président Jovenel Moïse met la pression, madame, monsieur, sur Taïwan. Dans le moment où on a parlé là, une rencontre a eu lieu mercredi dernier entre le président Jovenel Moïse et l'ambassadeur taïwanais en Haïti. Eh bien, qui s'est passé? Taïwan fait perdre deux pays. Bon, c'est deux petits îles, mais c'est deux pays importants. Eh bien, deux pays, ça aussi, les îles Salomon et Kiribati. Une zone pacifique, là. Eh bien, la Chine qui est en prend pays, ça. Ce n'est pas deux gros pays, nous deux petits pays et deux petits îles. Quitter la main Taïwan. Ouais, quitter la main Taïwan. OK? Eh bien, qui fait quitter Taïwan et que la Chine qu'on y a, donc, prend deux pays, ça. Eh bien, il faut qu'on me dise que le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, M. Edmond Bossuyt, actuellement, il est en tournée à Washington. Il y a une mission Edmond Bossuyt gagne comme ministre des Affaires étrangères. D'abord, c'est planifier l'arrivée du président Jovenel Moïse donc, aux États-Unis d'Amérique, parce que Dikengoul a intervenu donc, sur la tribune de l'ONU. Et puis, planifier agenda président. Donc, pendant que l'arrivée États-Unis, qu'on parle pratiquement donc, dans la deuxième analyse, dans la deuxième phase analysant. Mais tout, mission que Edmond Bossuyt gagne comme ministre des Affaires étrangères, c'est parler avec moun dans le département d'État, dans le Congrès, dans Washington en particulier, ok, sous dossier Taïwan. Il faut me dire que dans le moment où on a parlé là, il y a quelques sénateurs américains, et au niveau du département d'État également, avec des officiels américains qui commençaient par comprendre qu'effectivement, donc, Taïwan manquait agressif. Eh bien, dans ce sens-là, est-ce que ce n'est pas dans l'occasion qu'on y a pour Haïti? T'as rectifié le tir. T'as tout profité, rectifié le tir. Et le président Jovenel Moïse est conscient justement de ça. Eh bien, dans la dynamique que Taïwan a dans qu'on y a là, eh bien, mercredi, on lui convoqué l'ambassadeur Taïwan. Donc, Jovenel Moïse, comme président, a commencé par là avec Taïwan. Est-ce que ce n'est pas dans le moment, Père tout c'est qu'on y a là, pour nous dire avec Taïwan? Merci en ville, merci beaucoup. Et puis nous avançons avec la Gondine. Non, il dit que diplomatiquement, s'il ne peut pas faire la Gondine, ou bien il fait l'aide avec élégance, et font deux demandes. Mais qui demande? Par exemple, si tu prends l'argent, tu as un peu de Saint-Domingue. Mettez la pour là, dit, j'ai besoin de ça. Mais oui, j'ai tant comme ça. Il y a deux bagages de café. Des bouts pas café. Oui. Est-ce que ce n'est pas dans le moment qu'on y a là pour le président Jovenel Moïse? Oui, c'est un bon moment. Pour Haïti, si tu as mis tes pressions, justement, les pressions ont commencé à mettre. Oui. OK. Pour le dit, tu as un ministre, c'est quatre sous tabliers.
C'est quatre sous tabliers, c'est soit ça ou bien pas ça. Ouais. Est-ce qu'on a question de 150 millions de dollars pour faire courant? Ouais, 150 millions de dollars, ça n'est pas jouet. On va parler de pays, on va parler de 150 millions de dollars. Et pendant que l'Argentine a parlé de milliards. De milliards, on comprend. Le gros bagage, l'aviation escalier. Ouais, mais c'est soit les deux. Oui, écoutez. On a parlé d'un pays. Ou bien nous voulons parler de nos pays. Parce que pas voulons nous parler de pays. Nous n'avons pas nous. Donc, ça veut dire que leur président, bon, Jovenel Sonek, qui montre, d'ailleurs, il y a une élection en un chiffre. Yeah. Il toujours te montré. Il compte chiffre. Il compte pour le candidat. Il toujours parlé de ce général. Donc, il faut qu'on fasse. Il y a des chiffres qui ne pas prouver qu'il y a un côté, non? Mon cher. Candidat, nous paraît, c'est toi. Ouais. Bon. Là, chiffre pas de si tu apprends ces mêmes gestes là pour faire, il va bien prouver non. La guerre chiffre sous Taïwan, nous besoin tel bagage. L'offre fait développement démonter chiffre. Bon, bon faiblesse haïtien gagné. Yo pêche. Chiffre. On l'offre fait développement ou pas gain doit pêche chiffre. C'est chiffre. Très bien. On pas gain doit pêche chiffre. Mais mon œil veut plus dire l'on est éclairé. Ça chiffre ou bataille. Mais je ne sais pas, pas même basé sur question chiffre, bah, ça, non. On nous garde l'offre et la demande. On nous garde qu'on y a là tout. En fait, qui ça, la grande Chine offre, qui ça, ta rouen à bail. Ta rouen à bail. Parce que dans le moment où on est là, si au niveau des États-Unis d'Amérique, parce que toute la réticence d'Haïti, c'est à partir des États-Unis d'Amérique, parce que Haïti paie États-Unis, qui ça, Américain, a pensé. États-Unis, bah, ben. Ok, et puis États-Unis, bah, ben. OK, États-Unis pas rien. Mais les grave, oui, pour n'a parler d'un pays comme okay. Ça comme si et qui ça les États-Unis a pensé oui. Qui ça alors que les États-Unis sont pays et puis ou même son pays tout. Très bien. Ou indépendant, yo indépendant. Ça a veut dire ça qui ça les États-Unis a pensé qui te met les mou fâché. Maintenant si au niveau des États-Unis. On va faire rien pour moi. Si au niveau des États-Unis et que yo conscient que effectivement Taïwan manque agressif et que mais gagne des pays, gagne presque tout pays a quitté Taïwan parce que voilà monsieur tôt ou tard. Tôt ou tard, la Grande Chine a fini par boyer donc Taïwan. Tôt ou tard, Taïwan est pour le noyer donc en dedans la Grande Chine. Tôt ou tard. Maintenant, est-ce que ce n'est pas au cas où on est pour Haïti? Ok, t'as dit que Taïwan, nous gagnons deux choix. Ou bien vous doublez la mise, pas même doubler la mise. Ou bien on va nous exactement ça besoin. Que justement, président Jovenel Moïse, comment c'est fait? Est-ce que vous avez Jovenel Moïse comme président, est-ce que le gars c'est de capacité? Est-ce que le gars, c'est le bagage okay, pour le convaincre qu'on y a l'État-Unis, pour dire que je dis, nous t'as parlé de question de 150 millions de dollars, on quitte question millionnaire, on arrête sur milliards qu'on y a. Que la Grande-Chine, lui-même, paraît pour le faire avec Haïti, vu que il y a de gros enveloppes pratiquement donc, pour Caraïbes, là, je veux dire, la même genre avec les États-Unis d'Amérique. Est-ce que ce n'est pas ta occasion, je veux dire, là? Alors, Gomba, oui, Louko, et l'on est, par exemple, si l'on a l'irrémélage, pas c'est l'amène, il n'y a pas besoin de la Chine, non? Parce que lorsque la Chine a gagné coopération avec la Chine, s'il doit la faire développement avant, la faire route pour la faire et pas mal bon comme blanc, c'est route là bas. S'il doit la faire infrastructure, bah, comme si ça doit la faire pour hein, c'est lui même là bas où. Comme si tant de résultats, la juste bon bâtiment besoin, hein, la bonne route besoin, hein, la bonne sans besoin. Hein. Alors que Taïwan c'est comme l'Ibaï. Et nous connaissons les gens qui disent que l'argent passe dans le meilleur. Il y a plus besoin d'argent. Vous comprenez? Donc, il y a plus moyen pour détourner l'argent, ouais. Faire corruption. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Mais sourire l'argent, c'est dans la Taïwan on a toujours eu. Mais si c'est développement pour pays, il y a besoin, c'est dans la grande Chine. Eh bien, ok. En tout cas, ça c'est un dossier à suivre. Et c'est sûr que nous sommes capables de tourner d'ici la semaine prochaine. Mais ce qui est certain, c'est que le président Jovenel Moïse a rencontré l'ambassade de Taïwan donc mercredi dernier. Donc, il commençait à négocier avec, en fait, renégocier avec Taïwan. Donc, pression, et Jovenel Moïse comme président, là, il commençait à mettre sous Taïwan. Pour Taïwan, tu es capable de faire plus d'investissement, donc, pratiquement dans le pays, parce que Taïwan, dans ce moment-là, donc, a perdu en pile plume. Et que, donc, et même au niveau des États-Unis d'Amérique, donc, dans les coulisses, en fait, du pouvoir, et Trump, du pouvoir républicain, eh bien, il commençait à conscient qu'effectivement, que Taïwan, donc, n'est pas assez agressif. Donc, maintenant, il revient donc aux autorités haïtiennes, il revient au président Jovenel Moïse comme chef de la diplomatie. Pour connaître qui décision la prend avec le dossier Taïwan. Pour connaître qui chance qu'il est capable de faire Haïti. Donc, non,
et aller donc vers la Grande Chine. Mais entendu, comment est-ce que nous disons que très important. Tout le monde qui toujours souhaite que la Grande Chine vienne là, ou quel que soit le président, a rentré dans dynamique, en fait, pour gagner une coopération. Ok? Et relation diplomatique avec la Grande Chine. Pour la Grande Chine, David, là, mais m'a tout dit nous tout que, soit la Grande Chine, des pays, par exemple, comme certains pays en Afrique, pendant qu'on parle, il y a des Africains qui regrettent que la Grande Chine est venue là. Vous avez bien? Pendant qu'on parle, là, nous tout assurons que la Grande Chine vient en Haïti, pas de problème. Mais m'a tout dit nous tout que, pareil à ce qu'on sait, surtout quelque part. Parce que je ne pense que son mari n'a pas de conséquences. Parce que la Grande Chine, c'est politique que la France. Non, c'est give to okay. Give. C'est pas cadeau. C'est pas cadeau, non. Le diplomatie, c'est intérêt lié. C'est politique l'affaire. Donc, c'est intérêt lié. Donc, la vigne, là, il n'y a pas de demander tout. OK? Donc, je ne pense que la vigne, là, il fait route à gauche, il fait route à droite. Ça ne va pas prendre rien. Ça ne va pas prendre rien, non? Non, pas rien, ça, monsieur. OK? Donc, mettez ça dans la tête. Donc, ça, c'est un dossier qu'on a suivi aujourd'hui, là. Qui ça, président journal Moïse, peut faire avec dossier? C'est Taïwan, vu que semaine s'agit avec l'ambassadeur Taïwan, il remettait en fait question Haïti à sous table. Ok? Est-ce que il peut redéfinir relation avec Taïwan? Est-ce que Taïwan va mettre plus scope sous table? Parce que c'est de là, j'en ai parlé là. Ok? Pour gagner plus d'investissement donc en Haïti, est-ce que je dis en tout, n'a plus venu au Carrefour pour nous quitter Taïwan tomber et pour nous capable de gagner des relations diplomatiques très sérieuses avec la Grande Chine, donc son dossier ouvert, madame, monsieur, donc à l'émission à Télébat. Maintenant, ça c'est la première partie. Deuxième partie, Jovenel Moïse, président de la République, est donc attendu à Washington, aux Nations Unies, madame, monsieur, le 26 septembre 2019. Quid de son agenda? Numéro 1, Jovenel Moïse, va rencontrer avec le président Donald Trump. Donald Trump. Premier rencontre président Jovenel Moïse par gagner en marge de intervention gain pour le faire donc Nations Unies. Li gon chita parler pour le faire avec Donald Trump. Le président américain Donald Trump après tant président Jovenel Moïse. Les deux présidents ont parlé, deux premières dames ont parlé en l'autre bord. En l'autre bord. OK? Donc nous va regarder qui ça s'appelle bail. Jovenel Moïse, qui est pour le rencontrer, secrétaire général francophonie, Louis Mouchiki Wabo. Il n'y a pas photo pour le faire, il faut que deux ces pays parlent. Alors, ok, secrétaire général francophonie, il est pour le rencontrer tout premier ministre indien, N. Modi, et puis secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Y a photo de tel cas de donc, ça, c'est l'agenda. Richesse c'est l'agenda du président Jovenel Moïse. Dans le cadre de voyage, je vous le fais très bientôt là. Je vais parler à partir de ce week-end. Donc, vous allez donc, aux États-Unis d'Amérique. Il y a toute rencontre là. Il y a affaires qui vont discuter. Il y a un pays, c'est ça que fait le président pour partir avec des gros businessmen. Oui, oui. C'est ça qui fait la délégation de 40 personnes. Ah oui, laisse ça au président. Dans la rencontre, ça, au président, il y a une responsabilité pour l'accompagner des gros businessmen pour parler du gros bagaille en termes d'affaires et business qui a fait en Haïti, etc. Et grand pile bagaille qui a parlé. Donc, okay. Les affaires bien choisis. Donc, ok, donc ça, pour, nous va regarder ça qui va passer. Parce que je vais que je dis, dans ce qui vient là, comme quand tu as Figaro, il t'a menti, Jean, et paraît, comment dire, inélégant si Donald Trump a reçu Jovenel Moïse. En foi. Et c'est pas comme dans le discours qu'il a fait dernièrement. Et la caille président, donc Mar-a-Lago et Miami, on a côté que c'était. Pourquoi tu rencontres? Pas de tout le monde a passé par Mela, mais le président a passé tout le bail. Minimiser, c'est notre président, monsieur. C'est le président de tous les Haïtiens. Laisse-moi terminer, mon frère. Mar-a-Lago, c'est de tout le président Caraïbe qui était là. Et alors? Maintenant, le président Donald Trump, il recevra un aigle, il parle à tout le monde globalement. Après ça, il faut tête à tête à chaque grain par grain. Mais pendant combien de temps? Pendant 5 à 10 minutes. Ok. Mais dans un moment là, c'est. Ah, mais ton paquet de bagaille? Ah, oui, ton paquet de bagaille. Oui, mais là, que c'est le président Donald Trump qui va le recevoir, président. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, ça c'est autre chose. What house, oui. Alors, ben. Pourquoi c'est? Les gars, n'est-ce pas profiter? Moi qui n'aime pas dire, Profiter qu'ils aient volé pour voler, ben, mignon.
On dit, n'a oublié de ce pays. Il y a tellement gardé en l'air, gardé à gauche, à droite. Mais qui sont parlé? Et puis, il y a oublié de ce pays. Mais qui sont parlé? Mais qui sont parlé? Non, non. On va parler comme ça d'un président. Est-ce qu'il va l'amier? On va parler comme ça d'un président de la République. Non, je dis, attendez, attendez. Parce qu'il y a son petite province. Moi-même parce que s'il gagne pour le faire en compte ça yo, ok, alors c'est pas s'il gagne pour le faire en compte ça, non, en compte ça il faut gagner mon gars compagnie, alors ça prend compte avec Donald Trump là, donc faut gagner mon gars avec lui 40 moun. Oui, et rencontre avec secrétaire général francophone, on gagne mon gars qui boit avec 40 moun. Clair. Je m'aime vous là 40 moun là, non, mais 40 moun, 40 moun, oui, 40 mon hôtel, manger, oui, billet d'avion. Côté de dormir dans la rue. Sous deux maman. Qui maman? Grand Haïti. Et tout le monde vous fait sous deux Haïti, Nous avons une situation là, côté pays en sale compétition. Nous avons une situation là, il y a des gens qui levent matin, je vous garantis, il fait qu'il est là, il fait pour le midi. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger et qui ne peuvent pas espoir côté à manger. Ça va nous surprendre. Nous avons un pays là, nous avons un pays côté que, et regardez les gens qui boivent là en bas de l'eau. On fait démagogie, non? Non, pas gagner, non, non. Comme de fait, pas jamais faire démagogie. Nous, nos pays là, côté regardez les gens qui inondent, moun yo, gen moun là, c'est sous tête roche, campé, gen moun qui. Par contre, qui c'est pour y aller là, dans le moment où on a parlé là? Moun Gantier, la carrière de Tigouave. Ok. Moun Gantier, y a la même situation là. Et, gardez dans qui figure de pays là. Côté que la pli a tombé tout pendant week, alors Paris pour tomber pendant le week-end là. Ça veut dire qu'il y a l'autre monde qui risque d'inonder. Dans la cité soleil là, nous sommes well, avec Boaron depuis hier. Comment la situation est? Moi, pourquoi vous avez un message? Qui est la ministre intérieur, ministre environnement? Donc, il y a beaucoup de dire après le Tigouave. Moi, pourquoi vous avez un message? Nous allons mettre focus tout à l'heure. Alors, voilà, dans la situation ça, dans le contexte ça, car nous ne sommes pas nécessaire. Il y a une délégation, moi-même, je dis, bon, attendez. On admet que tu as pris quelqu'un dans le secteur privé. Mais combien? Tu as pris tout le secteur privé. Le secteur privé, là où dit, le président déplacé avec le secteur privé, c'est pas au frais de la République, non? Au frais de qui ça? Non, pas fait ça, mon cher. Au frais de qui ça? Non, non, secteur privé, là. Ils ont été invités, attendez. Là, ils ont invité, mais des boulots, on a des boulots. On a des boulots. Je m'habitue dans des boulots. Attends, attends, moi-même, tout me dégaine une certaine appréhension sous 40 ans hier. Mais maintenant, l'aime bien détaillé. Information ça, mais que les importants. Moi, je parle de prison. Ou bien somme, on a les sous informations. Côté la côté, nous pouvons là. L'on va rencontrer le président Donald Trump, par exemple. Sous le débat des questions qui ont avec l'économie. Faut qu'on ait économiste avant. Faut staff avant. Bon, staff là, on a un ministre économie avant, on a un ministre économie, pas parti pour compter tout. Faut le passer avec un secrétaire ou bien avec un chef cabinet. Ok, on a dit ça fait deux. Est-ce qu'on ne va pas mettre sous deux, mais trois? Alors, on garde. Oui, faut liguer mon avel. Si vous voulez parler de questions l'armée, par exemple. Par exemple, il y a une question qui est sous table là actuellement, madame, monsieur. C'est question l'armée. Parce qu'il y a un député qui devient ici, un député démocrate qui devient ici, qui fait 100 mounsiens en pétition. Ok, sous question la saline, eh bien, même député ça, il campe dans le congrès américain. Il a mis l'argent dans le budget États-Unis pour question et supporter en fait support extérieur donc à des pays sous question militaire. OK, donc il dit Haïti pas mettre pour Haïti, pas mettre l'argent pour l'armée Haïti. Mais ben, nous pas l'armée vraie. Attendez mon frère, mais nous embrions. Nous embrions. Ah mon frère, moi même pas j'aime d'accord, personne monde qui dit que Haïti pas besoin l'armée. Nous pas besoin l'armée. Pas besoin non. Nous pas besoin non. Non ça, ça. Nous pas besoin. Mais qu'il y a la faute gonfle qui dit mais comment on a qui budget qui gagne pour lui
en combien de temps, progressivement, mais combien d'avenir, qui est bien détaillé. Mais bonne information, qui est importante sur la question là. Mais quand je le fais. Où qu'on est que bon papier que tu es signé, et lui. Ah, mais le papier ici, le papier ici, le pays. Ah. Si chaque fois, on vient avec vous et puis vous avez critiqué, oh, ça va pas ceci, ça va pas ceci. Nous ne pouvons pas gagner même. Sauf que il y a des priorités, des priorités. Oh, on ne peut pas gagner plus comme priorité, ça. Des priorités, des priorités. Oh, qui bon. Chaque fois, on vient chaque fois, on vient dans le pays. Bon, priorité. Chaque fois, on vient dans le pays, on a tout. Qui bon, on a qui ça la priorité là. Chaque fois, qui fait. Mais on l'a mis défense civile. On l'a mis pour défense civile. Nous ne pouvons pas gagner même. Nous avons l'information. T'as le bien matin, t'as le bien matin. Ça, faut nous gassouli, mes amis. Chaque bagarre qu'on fait dans le pays, qu'on l'a quitté, ça va nécessaire, ça va important, ça va priorité. Bon, qui est la bagarre dans le pays? Mais c'est pas ça important. C'est pas ça qui est important. Mais qui est la bagarre dans le pays, monsieur? Louko. C'est pas ça qui est important. Non, attendez. Priorité. Excusez-moi. Lorsque vous êtes responsable, ou c'est président, ou c'est premier ministre, ou avez une responsabilité pour faire ça qui est bon. L'offre fait la cofelle, de pourquoi que le bon cofelle? Vous n'avez pas de critiquer. Mais vous-même, c'est vous faire. Vous faire parce que vous avez une responsabilité. Mais monsieur, mais attendez. Si vous parlez de l'armée, alors que la police pas même équipe m'a pas gagné. La police pas gagné effectif, li pas gagné équipe m'a pas de l'armée. À qui ça n'a fait l'armée? Et pas l'argent l'armée fait ta dégrindan. Et pas l'argent pour gagner pour faire l'armée. Information. Peut faire l'armée ça, son livre blanc qui te signe avec mon nom. Monsieur. Attendez. Oh mon OK. Pour qui ça la police n'a pas qu'à équiper? D'abord. On commence par le commencement. Même pas gagner la police seulement. Non, nous voilà, nous pas gagner la police seulement. Youn, mais ça ne là même pas monsieur, nous même qui va payer, nous avons des commissariats, des policiers, pas même go green moto. Ils ont pas arrêté tout le monde, c'est camionnette, ils prennent les gens sont arrêtés. Et puis ils n'ont pas de l'armée. Ça nous fait qui ça? Nous besoin de l'armée. Non, après ce problème, la police en vente. Joseph fait mes blagues. Monsieur, hier, ma part de Jumbala, et puis moi, mon motocyclette devant moi. Deux policiers. Deux policiers qui sont motocyclettes là. Monsieur, policiers derrière, ils ont pointe. Mouchlong, regardez. Ça, j'ai le chute à ce moment-là. C'est que ça m'a été mouru. Oui. Même parce que. Alors, on a une information qui est importante. Nous, sous la mer. Allez-y. Où est la mer d'Haïti? Gon ok que la mer ça fait là pour qu'on gagne des États-Unis. Parce que lorsque la mer t'a crasé, gon un papier qui signé avec le gouvernement haïtien jusqu'à présent. Qui n'est département d'État. Ça veut dire, question papier légal, là, m'écrasé, il n'a département d'État. Là encore, c'est le problème. Maintenant, pour l'armée, pour montrer l'armée, c'est l'État. Pour faire l'armée, il faut que papier ça, il y a OK sous lui. Il faut que vous OK sous lui. Et l'important, est-ce que l'équipe qui peut aller avec le président, là, aller avec une équipe qui peut discuter ça, parce qu'il était toujours en discussion. C'est ça, fait il est toujours en discussion. L'information d'information, ça, madame, monsieur, dans le matin débat, il y a raison qui fait que quelqu'un peut nous déplacer. Parce que s'il parle en contact avec le président Donald Trump, il faut qu'il y ait des gens qui, en disant la question là, il faut qu'il y ait des gens qui déplacent avec lui, qui peut capable de deal pour briefer. Il y a un monde. OK? Il n'y a pas un monde tellement, monsieur. Il n'y a pas qu'on se dit, mon frère. Écoutez, mon frère, son pays où on est là, aujourd'hui. C'est pas comme dans un petit boutique, un petit bazar. Mais nous pas. Là, Donald Trump a voyagé, monsieur. Pourquoi on a combien de voyages? Non, mais attendez. Le Macron a voyagé. À combien il voyage? Il n'a pas besoin d'avion. À combien il voyage? Il n'a pas besoin d'avion. Même qu'il n'y a pas. Parle là. C'est 40 moun dans les trois. 40 dans les trois. Il n'y a pas trop. En fonction des formations que nous avons la matin sous le débat, 40 moun n'est pas trop. Parce que si par contre, le président Donald Trump, il faut que quelqu'un accompagne qui pour briefer avant le contact avec lui. Bon, moi, si il si parle de 3 points avec Donald Trump, il faut que 3 équipes différentes sur chaque salle. Bon, moi, dis. Plus journaliste avec nous. Alors, il faut qu'il y ait des techniciens sur chaque balle. Oui, technicien. Mais monsieur, je technicien. Oui, ça n'a pas monté. Moi, je mets des bases. Vous comprenez pour qui ça? Vous comprenez pour qui ça? Parce que des bases, ça. Bon, raison, quelque part, raison, nous pouvons qu'on. Oui, les délégations sont retournées. Si nous avons estimé ça résultat voyage là, c'est là ça. Maintenant, si vous avez un résultat, non, même pas là. Mais soit la 40 moun nous, et puis tout rencontre le faire, un yen pas sorti positif. Non, pas même là. Là, non, attendez. Là, quand vous pouvez voyager, vous avez un résultat. Mais pour aller parler, il faut que vous ayez un d'abord. Attends, c'est pour dire comme ça. C'est pour dire que
c'est dans mitan 40 moun nan fol pas 40 pas utile et ça qui est important mais ça on peut dire parler qui ça non t'am dou pour président aller là négocier pour Haïti pour le pas tourner résultat faut moun gavel yo justement pas conseiller sous ça dans demander yo OK maintenant si c'est 40 moun pas utile qui va le flané ça c'est là pour faire débat mais si on président qui c'est président haïtien qui parle en compte avec le président des États d'Amérique qui go pays meurtri ça on l'a détaillé. OK, m'a parle de fonction de monde de président même. Là, il est pas question de Jovenel Moïse. M'a parle de un président haïtien. OK, qui a dépassé par le rencontre notre président de la République. Écoutez, faut marcher correct. Lucas, si toutefois on parle d'un pays, faut qu'on marche correct avec des monde. M'a parle de président. Maintenant puisque Haïti gain quelque temps, il toujours pas même sorti bien. Maintenant, est-ce que Koussa a les poils sous bien? C'est de ça seulement. Mais c'est un doux, pas un problème. Mais faire débat. C'est le résultat pour nous. Oui, plutôt faire débat plutôt dans le niveau ça. Parce que même pas nous mentir. On est qui président pays d'Haïti? On dit que on est président pays d'Haïti. Même c'est dommage que nous ne pas voter. C'est vraiment dommage. OK? Mais on a quitté président pays d'Haïti. On a qui président pays d'Haïti. Un, qui respecte les appelés. Deux, qui gagne légitimité populaire. Trois, qui bien encadré, bien entouré par des experts, par des conseillers sérieux. Baba on menti. C'est pour le pays qui a fier de lui là sorti. D'ailleurs, il va nous retirer dans tête nous. Il va nous quitter dans tête nous. Ça c'est le bon président qui a travaillé. Il va nous retirer dans tête nous. Et que le président pas gagner avion privé. Oui, on président doit gagner avion privé. Pour la faut nous arriver là dedans tout. Faut nous arriver que Haïti qu'on avion privé pour président. C'est du corporatisme. OK, faut nous arriver là tout, faut nous avoir retirer dans tête nous. On président qui a dépassé autant de monde que veut, dépendamment de qui on va rencontrer. Mais n'a parlé d'un président sérieux qui je dis a gagné respect dans pays. OK, faut nous tirer ça dans tête nous. Faut travailler, faut pour faire des bagailles qui pour pays d'abord. C'est pas pour bail aux yeux du monde comme si faire mon seulement. Faut qu'on faire des bagailles pour population la caillou pour que ou gon pays leur sorti ou quitter ou connaît que moun ka vivre dans pays hein, yo a vivre. Parce que président a sorti là. L'elle tourne pas gagne qui dit la quitter quantité moun était quitter dans pays la jeune même quantité à non. Bon, en tout cas, ça c'est des bagailles rationnelles. En tout cas, bon, et le président Jovenel Moïse, donc, l'a quitté Haïti, et pratiquement week-end, mais il y a donc, plusieurs et rencontres dans le cadre d'agenda, donc, pendant le voyage, ça. Et nous parlons du président Donald Trump, qui l'a rencontré, également le secrétaire général, donc, francophonien, Louise Mushikiwabo, et puis il a rencontré le premier ministre indien, et puis avec le secrétaire général des Nations Unies, donc Antonio Guterres, donc entre autres, l'autre monde que l'on peut voir, donc il y a quatre voies ça. OK? Et l'information que nous retenons tout, c'est que le président Jovenel Moïse, nous en a parlé, donc Haïti a mis des pressions sur Taïwan. Pour Taïwan, mettez plus de cop sur table, donc en termes d'investissement pour Haïti. OK? Parce que dans ce moment-là, au niveau de Washington, au niveau des États-Unis d'Amérique, donc il y a des secteurs qui commencent à conscient que justement, que Taïwan n'est pas agressif. Pendant que la Chine très agressive. Donc, il y a deux pays qui ont fait perdu. C'est d'abord les îles Salomon. C'est d'abord les îles Salomon. Avec Kiribati. OK? Et avec Kiribati qui ont fait perdu. Donc, Haïti, dans ce moment-là, donc la mettez pression pour être capable de gagner plus d'investissement. Donc, ça, c'est le premier point. Et